Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 19h. Voici les titres de l'actualité du lundi 8 mai. Le 8 mai qui marque traditionnellement l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 78 ans. Et comme chaque année, des commémorations ont eu lieu à Monaco, à la Maison de France notamment. Nous serons avec Pierre Brière qui est le président de l'association pour le devoir de mémoire. Le centre Speranza a rouvert après de longs mois de fermeture en raison de la crise de la Covid. Il propose un accueil thérapeutique aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs. Et il est désormais gratuit d'accès aux personnes résidentes à Monaco. Un reportage à suivre dans ce journal. Un moment inoubliable, un rêve éveillé pour des enfants malades parrainés par l'association Carlesimo et pour les orphelins et veuves de la gendarmerie soutenus par les Képis Pescalune. Ils se sont vus proposer une journée de découverte à Monaco, nous les avons suivis. Il est en plein envol, le comédien Adrien De Witt était sur la scène du théâtre Princesse Grâce aux côtés de Barbara Schulz la semaine dernière dans la pièce de Shakespeare « Comme il vous plaira ». Originaire de Monaco, il s'est lancé sur les planches à 19 ans en suivant la voie royale Cours Florent Conservatoire. Il sera le deuxième invité de ce journal. Et puis comme chaque lundi, tous les résultats sportifs du week-end avec notamment une très belle victoire et qui fait du bien après une série noire en Ligue 1, Monaco s'est imposé face à Angers 2-1. Mais pour débuter ce journal, ce petit clin d'œil au Carabinier du Prince, en ce 8 mai, férié en France, une journée qui a donné lieu à un afflux important de visiteurs, la compagnie a officiellement troqué sa tenue d'hiver pour la tenue d'été. L'uniforme noir bleu marine hivernal laisse la place au blanc estival. Ce changement s'est effectué lors de la relève de la garde, peu avant midi. Les carabiniers porteront leur tenue blanche jusqu'à l'automne prochain, très vraisemblablement jusqu'à la fin du mois d'octobre, lorsque les températures se rafraîchiront. Autre moment solennel après cette relève de la garde, les commémorations du 8 mai 45. Une cérémonie était organisée ce matin à la Maison de France en présence de nombreuses personnalités. Le président de l'association pour le devoir de mémoire est notre invité. Bonsoir Pierre Brière. Bonsoir Patricia. Une célébration commémorant l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a donc eu lieu ce matin. Ce n'est pas la seule cérémonie organisée au cours de l'année, c'est le cas également le 11 novembre, le 14 juillet ou pour la journée des déportés. C'est important de cultiver le souvenir des événements heureux comme douloureux. Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé malheureusement est condamné à le revivre. Et à l'heure actuelle, en plus, avec les événements qui se passent dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Ukraine, malheureusement, ce thème est toujours d'actualité. Un très beau discours a été prononcé par Daniel Merlino, mais a été repris pour partie et dans certains autres aspects par Laurent Stefanini, notre ambassadeur de France à Monaco, qui est également le président d'honneur de l'association pour le devoir de mémoire que j'ai l'honneur de présider. Et alors cette association, quelles en sont les missions ? Commémorer des événements qui sont très importants pour notre pays, mais aussi transmettre aux jeunes générations, leur transmettre tout ce qui s'est passé par le passé, leur expliquer la nécessité de ne pas oublier, et puis aider les professeurs d'histoire, même si nous n'en avons pas la vocation d'être professeurs d'histoire, en faisant des expositions, des conférences, des expositions notamment qui mettent l'accent sur certains points plus de détails dans l'histoire, parce qu'on n'a pas vocation à réécrire, bien évidemment, l'histoire qui a été très bien écrite dans de nombreux ouvrages. Et vous vous rendez d'ailleurs dans les établissements scolaires, hein, avec de grands témoins ? Tout à fait. Alors ça, c'est une de nos grandes missions, principalement assumée par deux de nos présidents du comité d'honneur, René Asseau, qui malheureusement, avec son état de santé, est moins présent, mais surtout Herbert Traube, aujourd'hui, qui est président du comité d'honneur du devoir de mémoire, passe sans relâche dans les lycées à Menton, mais aussi à Monaco. Et dernièrement, il était présent à FANB, où plus de 200 élèves ont assisté à sa conférence. Oui, alors c'est important, cette transmission à travers les témoignages de grands témoins. Malheureusement, ils sont tous très âgés. Certains sont décédés. Comment capitalisez-vous sur leurs témoignages et palliez-vous la difficulté de les voir tour à tour disparaître ? On vient de terminer un film dont nous sommes coproducteurs, d'ailleurs pour le devoir de mémoire, réalisé par une de nos membres,
Clara Laurent, sur la vie d'Herbert Traube, donc, qui a commencé, comme vous le savez, à l'âge de 13 ou 14 ans, quand il a été chassé d'Autriche, avec suite à l'Anschluss. Et puis après, il s'est engagé dans la Résistance, puis dans la Légion étrangère. Il s'est échappé d'un train, il a fait des actions assez exceptionnelles, beaucoup de campagnes, le débarquement de Provence. Il est remonté jusque dans son pays, en Autriche, le fusil à la main, comme un libérateur. Alors vous l'avez dit, un travail d'éveil, un travail éducatif au sein des établissements scolaires, mais pas seulement. Vous organisez des événements très régulièrement, comme tout récemment d'ailleurs, et vous avez certainement encore un programme bien chargé pour les mois à venir. On a fait une grande exposition qui s'appelait « Douleur et tourments, les souffrances des civils dans les conflits européens du XXe siècle, 1914-1945 », où il y avait effectivement 15 conférences qui ont été faites, réalisées par 13 conférenciers. Et là, c'est un des membres particulièrement actifs de notre association, Nicole Pinon, qui est d'ailleurs ma secrétaire générale, qui s'est chargée en intégralité de ce programme de conférences. Imaginez, faire venir 13 conférenciers de la France entière, c'est pas si simple. Et là, je dois reconnaître que l'éducation nationale monégasque a joué le jeu, puisque nous avons eu 744 élèves qui sont venus assister à ces conférences. Ce qui nous a donné, si on prend les conférences, mais aussi l'exposition qui avait lieu sur les trois niveaux de la Maison de France, on a eu 1320 visiteurs. C'est d'ailleurs le nouveau record, on en est très fiers. Les records ont vocation à être battus, mais c'est le nouveau record d'affluence à la Maison de France qu'on a établi fin novembre. Oui, vous mentionnez la Maison de France. C'est vrai qu'elle accueille régulièrement ces cérémonies du souvenir, et pas seulement, ces conférences, ces événements. Oui. Elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. C'est un lieu fédérateur, presque une institution désormais. Elle est dirigée par une femme assez exceptionnelle, en la personne de Danielle Merlineau, qui s'implique énormément. C'est un travail à mi-temps, faut le dire. Et elle regroupe en son sein plusieurs associations importantes, dont vous avez d'abord les patriotiques, et comme la Légion d'honneur, bien évidemment, les médaillés militaires, l'Ordre national du mérite. Mais après, vous avez d'autres associations dynamiques, comme le Comité d'entraide des Français de Monaco, l'Union des Français de Monaco, le Devoir de mémoire, et bien d'autres, des petits nouveaux qui nous rejoignent, notamment comme les conseillers du commerce extérieur de la France. Et en conclusion, Pierre Brière, quel est le prochain rendez-vous de l'association pour le Devoir de mémoire? Le premier, c'est on part avec une délégation de 9 personnes sur les plages du débarquement, du 1er au 7 juin. On aura la chance et l'honneur d'être reçus dans 3 mairies. Et on est accompagné, on accompagne, on a créé une synergie avec Thierry Chevalier, qui est le président de l'association France-États-Unis. Donc ça, c'est la première action immédiate, puisque c'est dans moins d'un mois que nous partons. Et la deuxième, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la projection du film d'Herbert Traube. Nous sommes à la recherche de sponsors. Ce film devrait être vendu pour des chaînes d'histoire en France. Et puis, peut-être, vous le projetterez à Monaco. Ce serait formidable. Peut-être une diffusion aussi sur Monaco Info, avec grand plaisir. Merci Pierre Brière d'avoir été notre invité aujourd'hui, en ce jour de commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Après 3 années de fermeture en raison de la pandémie de la Covid-19, le centre Speranza Albert II vient de rouvrir ses portes rue Bel Respiro. Une équipe de Monaco Info s'est rendue dans cette structure qui propose un accueil de jour thérapeutique aux personnes résidant en principauté souffrant de la maladie d'Alzheimer ou présentant des troubles cognitifs. Voyez ce reportage de Christina Tomel et Lionel Bernardi. Perte de mémoire ou encore orientations temporo-spatiales, des troubles souvent difficiles à gérer pour les personnes souffrant de ces symptômes ou encore pour leurs proches. Le centre Speranza Albert II permet ainsi de prévenir l'isolement social tout en maintenant les capacités fonctionnelles et cognitives des personnes accueillies et en offrant du temps de répit aux aidants familiaux. Et la grande nouveauté depuis cette année, c'est qu'il est entièrement gratuit. Il est destiné pour les personnes souffrant de maladies d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, au-dessus de 60 ans, résidant à Monaco, et ensuite qui sont adressés principalement soit par le CCGM, le Centre de coordination gérontologique de Monaco, soit par le Centre Régnier III. Donc pour les familles qui sont intéressées pour faire rentrer leurs aînés dans ce programme, ils peuvent prendre contact auprès du CCGM principalement et tous les renseignements leur seront donnés. Et ensuite, il y a une visite qui est faite ici avec la famille, le pensionnaire,
On explique, on présente le personnel, on présente les locaux, on présente les activités. Et ensuite, le pensionnaire peut venir et il est intégré dans un programme d'activité en fonction de ses besoins. Atelier de stimulation de la mémoire, activités corporelles, jardinage, cours de cuisine ou de musique. Un programme d'activités variées à visée thérapeutique et de convivialité est mis en place chaque mois pour les bénéficiaires. Les personnes sont accueillies du lundi au vendredi de 9h à 17h et un repas leur est servi à l'heure du déjeuner. À noter également que pour plus de facilité, un véhicule assure les transferts entre le domicile et le centre. Le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux vient d'organiser une formation pour les autorités monégasques. Cela s'inscrit dans le cadre de la grande mobilisation de la principauté pour réaffirmer son engagement à se conformer aux meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que la corruption. Intéressons-nous à présent à cette action menée conjointement par les associations Les Képi Pescalune et Louis Carlesimo. Les deux entités se sont unies pour offrir une journée inoubliable à près d'une centaine d'enfants qui étaient aux premières loges pour assister à la relève de la garde dimanche. Le récit d'Émilie Rousseau sur des images d'Olivier Bonello. Une marée bleue au premier rang de la relève de la garde. Le bleu symbolisant dans ce cas précis la couleur de l'association Les Képi Pescalune. Créée il y a près de 20 ans maintenant, elle soutient les orphelins de la gendarmerie française et leurs familles en proposant notamment des moments d'évasion. Cette année, c'est un week-end à Fréjus dans le Var, puis à Monaco qui était organisé. L'opération s'appelle « Du bleu dans les yeux ». Puisqu'on a voulu leur mettre un petit peu des étoiles dans les yeux et du bleu dans les yeux. Nous avons aujourd'hui 90 enfants avec la maman ou le papa. Nous n'avons qu'un papa, donc on est à peu près 138. Avec les bénévoles, c'est 160 personnes qui se déplacent. Postés aux premières loges, les yeux rivés sur le cérémonial et la minutie des gestes des carabiniers, les enfants n'ont rien manqué de la relève de la garde. Je viens d'une école militaire, du coup forcément je connais un peu tout ce, comment ça se passe, comment ça fonctionne et tout. Mais le voir faire par des professionnels, ça choque un peu et c'est assez impressionnant à voir. La rigueur, comment c'était carré, tout organisé, c'était très beau, impressionnant, c'était magnifique. Au-delà d'être une parenthèse enchantée pour les enfants, ce moment est aussi important pour les familles. On a trouvé une famille dans les Képi que nous on découvre effectivement suite au décès. Pour la majorité effectivement, ce sont nos époux, nos conjoints. Et en fait, de voir nos enfants avec des étoiles dans les yeux, c'est fantastique ce que nous font vivre les Képi. C'est vraiment un moment où les mamans peuvent se reposer, se retrouver, selon les deuils qu'on a eu plus ou moins longs, parce que moi ça fait par exemple 14 ans que mon mari est décédé. Ça permet aussi d'échanger et d'avoir un peu nos expériences. Donc je trouve que c'est vraiment important. L'association Louis Carlesimo participait également à l'événement. Tout au long de l'année, elle apporte une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades. Les résultats sportifs du week-end avec le Grand Prix de Formule 1 de Miami qui n'a pas souri au pilote monégasque Charles Leclerc qui a dû se contenter de la 7e place d'une course remportée avec brio par Max Verstappen. Parti du 9e rang, il a fait une très belle remontée pour l'emporter devant son coéquipier Sergio Pérez. Prochaine étape du championnat du monde de F1, l'Émilie-Romagne et le circuit d'Imola avant l'étape monégasque le 28 mai. Du football et la fin de la série noire pour l'AS Monaco FC. Les footballeurs monégasques sont allés s'imposer à Angers 2-1 pour le compte de la 34e journée de championnat. Ils sont 4e de Ligue 1. La prochaine rencontre sera très importante pour l'AS MFC qui affrontera au stade Louis II Lille. Son poursuivant direct au classement. Un retour aux sources pour le comédien Adrien De Witt. Formé à l'Académie Régnier 3, il est venu jouer jeudi dernier sur la scène du théâtre Princesse Grâce, la pièce de Shakespeare, Comme il vous plaira, et il est notre invité. Bonsoir Adrien De Witt. Bonsoir. J'imagine que cela a été beaucoup d'émotion pour vous de jouer sur la scène du théâtre Princesse Grâce jeudi.
Ouais, c'était très émouvant pour plusieurs raisons, parce que j'avais beaucoup de proches dans la salle. Je crois que c'est la première fois que je joue devant autant de proches. À la fin, en partant de scène, à chaque rang, il y avait quelqu'un que je connaissais, donc c'était assez émouvant. Et aussi parce que j'ai commencé le théâtre il y a 10 ans, quasi jour pour jour, et je crois qu'il y a un mois, enfin, cette présentation, j'ai fait une présentation de fin d'année parce que j'étais à l'Académie Régnier 3, et on a fait une présentation dans ce même théâtre il y a 10 ans, et c'était un Shakespeare, et je reviens 10 ans après avec un Shakespeare, donc c'était assez émouvant. Adrien, quel a été votre parcours? Quand avez-vous su que vous souhaitiez être comédien? Alors est-ce que cela remonte à l'Académie Régnier 3 ou même au-delà? En vrai, le premier désir de jeu que j'ai eu, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et j'avais pas vraiment encore conscience de la chose, mais je regardais des films qui me faisaient rêver et je m'étais dit waouh, ça doit être génial vraiment de pouvoir faire ça, de faire croire ce qu'on veut. Mais en vrai, à 8 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Harry Potter en fait. Et, et ça a changé ma génération. Vie comme pour beaucoup. Voilà. Et non, et en fait, je trouvais ça incroyable que quelqu'un dise ouais, je suis sorcier, j'ai des pouvoirs magiques, et que tout le monde le croit. Et je trouvais ça formidable. Et voilà. Et puis après, cette envie a un peu passé. Enfin, j'y ai pas trop réfléchi. Et pendant toute mon adolescence, j'ai voulu faire, je pense, 14 métiers différents, et à chaque fois, c'était après regarder un film. Donc, admettons, je regardais un film sur les pilotes de l'air et j'avais envie d'être pilote de l'air, vraiment ça. Ou je regardais une série sur la médecine, d'un coup, je voulais être médecin et j'étais à fond là-dedans, vraiment, je m'intéressais et tout ça. Et ça passait au bout de 6 mois. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, ça a pris 10 ans pour comprendre que le métier que je voulais faire, c'était pas le métier qu'il y avait dans le film, mais c'était comédien. Oui, et puis et le plus simple en étant comédien, c'est que vous pouvez effectivement exercer toutes ces professions. Exactement, voilà, c'est le rêve de pouvoir toucher à quelques destins différents dans une seule et même vie. Ça, c'est assez chouette comme principe. Et du coup, voilà, je m'étais pas mis au cours de théâtre avant parce que j'étais en sport-études, j'étais à l'Étoile de Monaco, le club de gymnastique, jusqu'à mes 18 ans. Et une fois que j'ai arrêté la gym, je me suis dit, il y a un ami de l'université, j'ai fait un an d'université, qui m'a dit, tu devrais venir faire du théâtre. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai fait un an du coup à l'Académie Régnier 3. Et à la fin d'année, ça a été un peu une révélation. La chose que j'avais envie de faire, c'était de monter au cours Florent à Paris. Donc j'ai intégré les cours Florent, j'y ai passé 3 ans. Après, j'ai appris l'existence du Conservatoire National et ça a été... mon envie. Du coup, j'ai présenté le concours. Par chance, je suis rentré du premier coup. J'étais très heureux. J'ai passé 3 ans là-bas et j'en suis sorti il y a 4 ans maintenant. Et oui, c'était voilà. la voie royale. Alors, vous dites par chance, ce ne sont pas des carrières faciles. Hein. Faire sa place dans le milieu artistique et plus spécifiquement ici dans le domaine du théâtre ou du cinéma, cela a été compliqué tout de même, ou vous avez le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance et peut-être certainement aussi le talent a aidé? Non, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment énormément de facteurs mélangés. Je suis persuadé qu'il y a de la chance qui se place parce que c'est rencontrer quelqu'un au bon moment. Il faut que la personne qui te voit en audition ou en concours se soit réveillée du bon pied, qu'elle soit d'une certaine humeur, quelque chose comme ça. Pareil pour moi, par exemple, qui vais passer le concours, dans quelle humeur je vais être ce jour-là. Comment ça va se passer avec mon partenaire sur scène ou ma partenaire? Comment je vais tenir le texte? Comment je vais tenir leur écoute? C'est aussi correspondre au rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui décide de monter, de réaliser un film ou de monter une pièce, et c'est un rêve sur plusieurs années. Donc il faut aussi pouvoir correspondre à ce rêve-là. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément maîtriser, quoi. Toi, ce que tu peux maîtriser, c'est ton texte, ton audition, donner le meilleur que tu as en toi, et puis après tous les autres facteurs que tu ne peux pas gérer qui se mettent en place. Donc je pense qu'il y a du travail, de la répétition, et un facteur de chance, quoi. Vous l'avez dit, Adrien, vous avez fait du sport à haut niveau, hein, avec l'Étoile de Monaco. Oui. Vous êtes un compétiteur. C'est peut-être pour cela aussi que vous n'avez jamais rien lâché? Je pense que la gym m'a aidé vraiment pour beaucoup de choses, parce que du coup, on faisait beaucoup de compétitions et beaucoup d'entraînements. C'était 6 entraînements par semaine, et ça m'a appris, je pense, beaucoup de rigueur depuis que je suis petit, depuis que je suis ado, de s'entretenir, de répéter beaucoup, de pratiquer les mouvements, de s'entraîner sans relâche pour au final faire une compétition qui dure peu de temps, et c'est le travail d'une année ou le travail de plusieurs années pour une compétition. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup sur ça. Aujourd'hui, il y a donc cette pièce que vous avez jouée au théâtre Princesse Grâce. Mais quels sont vos projets à venir? Vous courez les castings?
Alors, c'est ça, c'est les castings et les auditions, c'est un peu le rythme, ça rythme un peu une saison de comédienne ou de comédien. Et donc, c'est chouette, c'est vraiment, ça permet de découvrir plein de projets. Et là, il y a des projets qui vont sortir. J'ai tourné un film en Italie en octobre dernier qui devrait sortir, on ne sait pas encore quand exactement, mais d'ici fin 2023. Et j'ai tourné aussi une série en Espagne qui devrait aussi sortir fin 2023. Donc ça, c'est la suite. Et après, il y a d'autres projets dont je ne peux pas trop encore parler. Eh bien, on vous souhaite de poursuivre sur cette belle lancée. Merci. Merci Adrien De Witt d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, merci à vous. Durant toute cette saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose une série de grands récitals de piano interprétés par des artistes d'exception. Vendredi, c'était au tour du pianiste argentin Nelson Gourneur de venir se produire à Monaco pour clore ce cycle à l'Auditorium Régnier III. José Sacré, Lionel Bernardi et Louis Borgia étaient dans l'assistance. Immersion. Quatre ballades de Chopin étaient au programme du récital donné par le pianiste Nelson Gourneur vendredi 5 mai à l'Auditorium Régnier III, mais aussi la sublime sonate en si mineur de Franz Liszt. Ce sont des œuvres, je dirais, emblématiques du répertoire, non seulement pianistique, mais de toute la musique, hein, parce oui. Que la sonate de Liszt, bon, c'est... On le sait, c'est vraiment une œuvre, ce qu'il y a de plus magistral, qui a été composée, une des œuvres les plus magistrales du 19e siècle, tout court, et elle a marqué un tournant dans l'histoire de la musique. Et les ballades. C'est la première fois qu'on entendait le mot ballade dans le monde musical, non, je crois. Oui, même si Chopin, il était très peu pour la musique de programme, oui. Parce que lui, il aimait la musique pure, mais quand même, il s'est laissé, il a été forcément inspiré par son compatriote, oui. Par Mickiewicz. Et tout n'est pas perdu donc si vous n'avez pas pu assister à ce récital, puisque Nelson Gourneur l'a promis, il reviendra à Monaco. La semaine a débuté sous les meilleurs auspices en ce lundi. Est-ce que cela va durer du côté des prévisions météo? La réponse avec vous Yannick de Beuvert. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le soleil de ce lundi se retrouvera chassé par les nuages demain. Un ciel couvert qui préparera une journée de mercredi pluvieuse. Mais pour ce mardi, pas de précipitations prévues et les températures restent douces, entre 16 et 19 degrés. En ce mardi 9 mai, journée de l'Europe, nous fêtons Saint-Désiré. Merci Yannick, ce journal touche à sa fin et pour se quitter cette série de photos qui rend hommage au travail et au quotidien de la Croix-Rouge monégasque. C'est aujourd'hui, en ce 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une date qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance du fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, Henri Dunant, un mouvement dont la Croix-Rouge monégasque a rappelé aujourd'hui les engagements fondamentaux, à savoir protéger la vie et la santé de tous et agir auprès de toutes les personnes vulnérables. Ces photos souvenirs des temps forts de la Croix-Rouge monégasque sont signées Charlie Gallo et Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain, mardi à 19h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous et à demain.